La chose la plus stupide, la plus ridicule que je connaisse en ce bas monde, c'est des gens qui payent 35 balles pour s'asseoir sur des sièges de merde en attendant qu'un gros con vienne leur dire qu'il les aime pas. Ça vous change, hein, comme entrer en matière. D'habitude, quand un artiste entre en scène, il vous sourit tout son dentier, il écarte les bras à la manière de Jésus et vous dit un truc du genre « Merci, cher public. » Lèche-cul. Non, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. J'annonce d'emblée la couleur en vous disant clairement et d'entrée de jeu que je vous aime pas. Et ceci n'a rien de personnel. Je n'aime pour ainsi dire rien ni personne. Pour preuve, voici la liste de ce que je n'aime pas. Il y a à peu près tout. Et voici la liste de ce que j'aime bien. Et à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que ça peut aussi être la liste de ce que je n'aime pas. Alors évidemment, je prends des risques. D'ailleurs, quand j'ai annoncé à mon producteur que le titre de mon prochain spectacle était « Je vous aime pas », il m'a dit « T'es fou, tu vas au-devant d'un bide ». Alors bon, d'abord, ce serait bien la première fois que je serais devant. Et puis d'autre part, je m'en fous. Je dis ce que je pense, un point c'est tout. Et s'il y en a à qui ça plaît pas, ben, ils sont pas obligés de venir. Je fais pas la charité. J'ai horreur de la charité, j'aime pas la charité. De nos jours, on est sans cesse interpellé pour donner quelque chose à quelqu'un. Et en plus, presque toujours pour des gens qu'on connaît pas. Si au moins c'était pour des gens qu'on connaît, on pourrait avoir du plaisir à refuser de leur donner quelque chose. Mais non, c'est toujours pour de lointains inconnus. Pour les petits chinois, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de donner votre bol de riz. Non! Pour la construction d'une école en Inde, monsieur, s'il vous plaît, non! Et vous avez beau dire non 40 fois, ils reviennent toujours à la charge. Au point que pour être tranquille, vous finissez par céder. Monsieur, s'il vous plaît, en Afrique, un enfant meurt de malnutrition chaque seconde. Une minute, s'il vous plaît. On finit par craquer, il y en a tellement qui pensent aux pauvres. D'ailleurs, je me demande quelquefois ce que les pauvres peuvent bien faire de tout ce pognon. Enfin bon. Le dernier qui m'a eu, c'était pour la Tchétchénie. Moi déjà, je savais pas ce que c'était la Tchétchénie. Je croyais que c'était une maladie neuchâteloise. Il m'a dit, monsieur, un geste de solidarité pour les victimes de la guerre en Tchétchénie. J'ai dit, écoutez, je ne veux pas chipoter, mais pour les victimes, est-ce que ça vaut encore la peine? Alors il m'a dit, vivre la guerre, vous savez, c'est déjà être une victime. Alors là, j'ai craqué, j'ai offert mes boules quies. Pour les bombardements, ouais. Et aux neuves, les boules quies, hein. J'aime pas la charité. Et quand les professionnels de la charité n'ont plus de pauvres étrangers à se mettre sous la dent, ils arrivent à en trouver chez nous. Et en particulier pendant le mois de décembre. C'est terrible ce qu'il peut y avoir comme misère pendant le mois de décembre. Non, c'est vrai, tout ce qui s'organise au profit des plus démunis, c'est presque toujours au mois de décembre. À croire que les pauvres, ils crèvent de faim seulement à cette période-là, et que le reste de l'année, ça compte pas. C'est l'entraînement. Et évidemment, comme c'est les pauvres de chez nous, on sent obligé de donner un petit quelque chose. Avec discrétion et dignité. Vous avez de la monnaie? Non? Ah bah tant pis, allez! C'est pour une bonne cause. Gardez tout! Et vous glissez votre pièce de 50 centimes dans le petit cochon. Et comme si ça suffisait pas de faire la manche, en décembre, ils organisent aussi de grandes manifestations au profit de ceci ou cela, de ceci ou de cela, le Téléthon contre la myopathie, un concert contre le cancer, le bal de la police contre la trisomie. Partout, on vous enquiquine avec le malheur des autres. On vous vend des rubans contre le sida, des bougies pour les aveugles, c'est utile. Du chocolat contre la sclérose en plaques. Et il y en a même pour les animaux. On quémande pour les chiens errants, on vous taxe pour la reproduction des pandas, on vous tape pour les femmes battues. Bon, là, c'est vrai que je donne volontiers un petit coup de main. Et en plus, comme je suis artiste, en décembre, on n'arrête pas de me demander de venir me produire gratis au profit de tout et son contraire. Et je peux difficilement refuser, autrement je passe pour un monstre. Même qu'une fois, j'ai accepté de jouer pour l'association contre la maladie d'Alzheimer. Mal m'en a pris, il me redemande chaque année.
Une autre fois, certains avaient mis sur pied un spectacle en plein air au profit des sans-abri. Oui, ce qui leur donnait pour une fois l'impression d'être aux premières loges. Ils avaient appelé ça « Les exclus sont les bienvenus ». Eh bien, c'était un comble, mais j'ai fait un carton avec les sans-abri. Ils n'arrêtaient pas d'applaudir. Bon, faut dire aussi qu'ils faisaient un froid de canard. Après quoi, le spectacle s'est terminé et les sans-abri sont rentrés chez eux. C'était déjà fini. Comme quoi, le problème de la charité, mesdames, messieurs, c'est que c'est un jour, une heure, un moment, mais ça n'arrange rien. Chacun devrait déjà s'occuper quotidiennement de la misère qu'il a autour de lui, toute proche, sur son palier. Ceux qui crèvent juste à côté. Aider ceux qui sont à portée de coup de main, par exemple. Comme mon ami Marcel, tenez. Oui, avec Marcel, on s'était connus il y a très longtemps, alors qu'on allait ensemble aux réunions pour alcooliques anonymes. Et on a arrêté les deux. Marcel a arrêté d'y aller. Et moi, j'ai arrêté d'être anonyme. Sacré Marcel, qu'est-ce qui descendait hein? Mais moi, à côté, je faisais animateur bénévole de la Croix-Bleue, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui pompait? Ah, il était même au-delà du stade de l'alcoolisme. Il était facteur. Ben, Marcel, je l'ai aidé, soutenu, jour après jour, jusqu'à sa mort. Décis après décis. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'hôpital. J'étais allé le voir avec un petit cadeau pour lui remonter le moral. Mais c'est vrai qu'on sait jamais quoi offrir dans ces cas-là. Surtout que son médecin lui avait donné 2 mois à vivre. Alors après avoir hésité longtemps, je lui ai offert un calendrier. Quoi? Un très beau calendrier, avec des photos différentes en fonction du mois, de la saison. J'avais acheté ça à la Chaux-de-Fonds. Alors en février, vous avez la photo de l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, sous la neige. En mai, vous avez le stade de football de la Chaux-de-Fonds, sous la neige. Et en juillet, vous avez la patinoire de la Chaux-de-Fonds. Non, pas sous la neige. En plein été, pas exagéré non plus. Sous la pluie. Non, vraiment, un très beau calendrier. Très beau calendrier. Eh bien, Marcel, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il a rendu les clés le lendemain. Oui, parce que Marcel était comme moi. Il avait horreur de la charité. Au point que son médecin a eu beau lui donner 2 mois à vivre, il les a pas pris. Oui. Je rappelle qu'il est strictement interdit de fumer dans la salle. Hein. Par respect pour l'artiste. Non, c'est vrai, je supporte pas la fumée passive. Non, là, je profite parce que la scène, ce sera bientôt le dernier endroit où ce sera autorisé. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le fait d'allumer une clope ne vous conduit pas aux assises. Non, chez nous, il y a encore de la marge. Mais aux États-Unis, ils n'en sont pas loin. À là-bas, fumer, c'est pire que tuer. Si tu flingues une vingtaine de petits ricains dans un collège, par exemple, avec des bons avocats et des bons psychiatres, tu peux t'en sortir. Mais si tu fumes à la cafette... Et si tu veux cacher ça à ton patron au gouvernement, t'as pas intérêt à faire une radio chez le toubib. Parce que si tes poumons sont noirs, c'est la tôle. Et alors, si ce qui entoure les poumons noirs est noir aussi... C'est la chaise électrique. Non, là, je profite, parce qu'avec ces conneries d'interdiction, je dois même me priver de la fameuse cigarette consommée avec délectation après l'acte amoureux dans mon lit. Ah bah oui, vu le nombre de visites que reçoit ma femme en mon absence, ma chambre à coucher tombe sous le coup de l'interdiction de fumer dans les établissements publics. Donc, je ne fume plus après l'amour. Car même si ma femme n'est jamais là à ce moment-là, l'odeur de la cigarette ne disparaît pas comme ça. Et le soir en rentrant, risque de sentir, j'en ai tiré une l'après-midi.
J'ai lu quelque part que chaque cigarette consommée réduit de 2 à 11 minutes votre espérance de vie. Bon, c'est un chiffre moyen, bien sûr. Il va sans dire que les clopes allumées dans les stations-service peuvent faire exploser la moyenne. Non, mais vous vous rendez compte, 11 minutes d'espérance de vie en moins, chaque cigarette. Au point que j'ai fait le calcul. Avec ce que je fume depuis l'âge de 17 ans, normalement, je ne devrais pas être né. En négatif. Non, on peut le dire, la cigarette est devenue un problème planétaire. D'ailleurs, il existe même une journée mondiale sans tabac. Et ça, un artiste ne peut pas y rester insensible. Oui, je vous laisse le temps. Bon, durant cette journée, on fait surtout gaffe dans les pays développés, parce que les pays du tiers-monde, on peut pas trop leur demander de s'abstenir durant cette journée mondiale sans tabac. Non, en pleine année mondiale, sans nourriture et sans médicaments, c'est difficile. Et alors, pour les cons qui ne sauraient toujours pas que c'est mauvais pour la santé, maintenant, ils le marquent clairement sur les paquets de cigarettes. D'ailleurs, quand j'ai vu la première fois « fumer nuit gravement à votre santé », j'ai failli arrêter. Mais après, quand j'ai lu « fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage », alors là, j'ai décidé de continuer. Et c'est pas tout. Pour les abrutis qui n'auraient toujours pas compris, il existe toute une série d'avertissements sur les paquets de clopes. Tenez, j'ai pris la liste. Liste non exhaustive, ça va sans dire. Fumer crée une forte dépendance. Il précise pas à quoi. Mais c'est pas à l'alcool, donc. Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant. Comme quoi, faut choisir. J'ai décidé de pas faire d'enfant. Fumer peut altérer le sperme et réduire la fertilité. Peut-être, mais du coup, le problème de fumer pendant la grossesse ne se pose plus, ils sont cons. On devrait faire des campagnes jumelées. Fumer provoque le cancer mortel du poumon. Et précise bien mortel. Donc pas le petit cancer qu'on chope en fin de soirée un peu fatigué. Non. Mortel. Là. Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales. Pas étonnant au prix que ça coûte maintenant. C'est combien le paquet de clopes? Là. Fumer, c'est se suicider. Alors, se suicider peut-être, mais ça prend quand même un peu plus de temps qu'avec un revolver. Ouais, avec les cigarettes, il faut quand même plus d'une cartouche. Enfin, conclusion de tout ça, et en deux mots, fumer tue. Alors, apprendre aux mots comme ça, ça fout les chocottes. Fumer tue. Vous en voulez une, belle maman? Ah, ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle aurait été contente avec ses interdictions de fumer. Elle qui s'est battue toute sa vie pour que les gens apprennent à vivre en harmonie avec leur corps, la nature, les arbres, les petits oiseaux et les bennes de récupération du verre, du PET et du papier. Mais car ma belle-mère était une femme de conviction, une écologiste de la première heure. Pensez, c'est elle qui, la première, a lancé la pétition intitulée « Pour la reconnaissance du protocole de Kyoto ». Pétition signée par 35 habitants du quartier, et qu'elle a envoyé ensuite au président des États-Unis en personne. Et ce n'est pas tout. Cette écologiste convaincue était aussi organisatrice du Salon de la vie saine, co-auteur d'un ouvrage sur la diététique alimentaire sobrement intitulé « Le gras ne passera pas », ce qui au passage ne m'a pas empêché d'épouser sa fille. Et enfin, et surtout, engagée dans tous les combats contre le tabac et l'alcool. Enfin bref, une vie exemplaire qui aurait dû mener la malheureuse jusqu'à au moins 100 ans, si bien sûr le chauffeur du camion transportant les bennes de récupération du verre, du PET, du papier, avait été plus attentif et vu ma belle-mère traverser la route avec son vélo. Une horreur. Ma belle-mère entièrement broyée par les roues de cet immense camion. Le spectacle n'était pas beau à voir. On n'a même pas pu récupérer le vélo, c'est dire. Bon, l'honneur est sauf pour cette militante écologiste, le camion roulait au sans-plomb. On se console comme on peut. Non, je dois l'avouer, j'ai gardé de ma belle-mère un souvenir marquant. Tenez, hier encore, j'ai pensé très très fort à elle. C'était le premier anniversaire de son décès, un an, jour pour jour. J'étais tout songeur, au point que j'ai failli me couper en ouvrant la bouteille de champagne.
De l'alcool, eh oui. Encore un truc qu'elle n'aimait pas. Qu'est-ce qu'elle a pu m'emmerder parce que je buvais? Je lui ai dit une fois, vous savez, belle maman, on peut être un ivrogne et réussir dans la vie, hein. Prenez l'architecte de la tour de Pise. Il devait biberonner sec. Non, parce qu'enfin, merde, là, face, on peut plus boire un verre en allumant sa clope, je me demande quel plaisir il nous reste dans l'existence. Parce qu'attention, maintenant, en plus du tabac, il y en a qui voudraient aussi coller des étiquettes avec la mention « danger » sur les bouteilles de pinard. Ça va être joli, tiens. Le jour où on mettra des étiquettes « danger » sur les cons, on verra plus beaucoup de visages. Les cons. Je sais pas si vous avez remarqué, mesdames, messieurs, mais les cons ont ceci en commun avec les cocus, c'est que c'est toujours les derniers à le savoir. Pas un pour manquer une occasion de me dire « Mais arrête de manger, arrête de fumer, arrête de picoler, arrête de... » Non, ça c'est déjà fait. Enfin, disons que j'ai déjà largement diminué. Mais bon, j'ai pas beaucoup de mérite parce qu'il faut dire que ma femme m'aide beaucoup en l'occurrence. Alors évidemment, j'ai essayé de faire des efforts. Il m'est même arrivé de m'abstenir de boire, de fumer et de manger pendant 7 à 8 heures de suite. Le problème, c'est que je me réveille. Comme quoi, finalement, mesdames, messieurs, l'idéal pour vraiment arrêter, ce serait de ne pas se réveiller. Oui, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ce type est suicidaire. Peut-être. Mais un suicidaire hypochondriaque. Au moindre petit bobo, je me dis que mon heure est venue. Alors, pour me rassurer, je vais voir mon toubib. Ce qui ne me sert pas vraiment à grand-chose, en l'occurrence, parce que la dernière fois que je suis allé le voir, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, « Monsieur Meury, vous souffrez d'un excès de poids. » Oui, il est très observateur, mon toubib. C'est son métier. Ah, ça vaut la peine de payer un docteur pour vous faire de pareilles révélations. Mais il n'empêche que ça me rassure, parce que cette fois-là, comme j'avance en âge, je suis en âge et j'avance en âge, j'étais allé le voir car je m'inquiétais de ma prostate. Je suis donc allé faire un examen rectal. Ou si vous préférez plus trivialement, une analyse du trou du cul. J'entends par là au sens propre. Enfin, je veux dire au sens premier. Analyse du trou du cul, ça veut pas dire que j'ai commencé une psychothérapie. Faut être clair. Et mon compte toubib qui me dit comme ça en enfilant son gant en plastique, n'est pas l'habitude, M. Meury. J'ai dit non. J'ai des mœurs très particulières pour un artiste. Je n'aime que les femmes. Et alors après, pour me montrer qu'il n'en rate pas une, il me dit « Vous buvez, monsieur Meury ?» J'ai dit très très fort le mec, un spécialiste. Il me dit « Vous savez qu'en Suisse, 300 000 personnes sont dépendantes de l'alcool ?» 300 000. Et quand je pense que je bois toujours tout seul... Enfin, après quoi, et pour terminer, j'ai eu droit bien sûr à son petit couplet sur la fumée, sans quoi c'est vrai, j'aurais pas su vraiment pourquoi j'ai été allé le voir. « Eh bien oui, je suis suicidaire. Et depuis le jour de ma naissance, si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore des écriteaux à l'entrée des maternités. Naître tu. » Je suis suicidaire pour toutes les raisons déjà évoquées, mais ça vaut peut-être mieux que de mourir d'ennui, non? Notre existence, là, est à l'instar de la vie sur Terre. Elle est partagée en trois grands règnes. Au début, vous sautez sur tout ce qui bouge, vous buvez jusqu'à plus soif, vous mangez comme un ogre. Ça, c'est ce qu'on appelle le règne animal. Et puis plus tard, à partir de la quarantaine ou de la cinquantaine, eh bien, on doit subir les conséquences du précédent règne. Fini les java et les excès, il faut se mettre à la flotte. Ça, c'est le règne minéral. Et puis beaucoup plus tard, pour ceux qui y arrivent, eh bien, c'est l'attente du décompte final dans un lit ou dans une chaise avec des yaourts. C'est le règne végétal. Moi, personnellement, j'en suis encore au premier règne.
l'animal. Je suis toujours fin prêt pour la chose. J'ai toujours une capote sur moi, au cas où. Oui, une, pas deux. Non, parce qu'il faut pas rêver non plus. Car quand un homme rencontre une femme, il y a toujours cette même question essentielle et existentielle qui le mine. Vais-je pouvoir la sauter ou non? C'est la glorieuse incertitude du porc. Moi, mon truc pour draguer, c'est la loterie. Oui, c'est-à-dire que je pars du principe que, comme au loto, plus on remplit de gris, plus on a de chances de gagner. Alors bon, c'est vrai que je gagne assez souvent, mais pas toujours le gros lot non plus. Je dirais même que la plupart du temps, et pour ceux qui connaissent, j'évite l'impôt anticipé. Ça rembourse juste la mise, si j'ose dire. C'est l'eau de consolation. Et l'avantage dans ces cas-là, c'est qu'avec la dame, ça nous fait déjà un point commun, on se contente de ce qu'on a. Donc, question bonne femme, je drague tout! Tout ce qui bouge de 18 à 60 ans. En gros, je m'arrête quand c'est Parkinson qui les fait bouger. Mais sinon, taillot, à la Kalachnikov, je mitraille dans la foule. Oui, alors attention, c'est pas une contrepétrie, je mitraille dans la foule. Non, parce que je fitraille, ça veut rien dire du tout. Je mitraille dans la foule, à deux exceptions près. Je ne touche jamais aux femmes mariées. Ma femme peut d'ailleurs en témoigner. Et d'autre part, j'ai pour principe de ne jamais coucher avec les femmes de mes amis. Sauf bien sûr si l'occasion se présente. Ce qui revient à dire que je multiplie les aventures sans lendemain et qu'en général, je suis content qu'il n'y en ait pas. Bon, bien sûr, de temps en temps, il y en a qui s'attachent. Ce qui m'évite de le faire moi-même. Non mais je peux vous le dire, ça marche pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Et pourtant, vous en conviendrez, je n'ai rien d'un sexe symbole. Vous n'êtes pas obligé d'en convenir aussi bruyamment, là. Moi, j'aime pas les sexes symboles, j'aime pas les sexes symboles. On nous emmerde avec les sexes symboles. Moi, quand on parle de ça, je pense toujours, pour me consoler, que Marilyn Monroe aurait 89 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte, si elle était encore en vie, serait toute ridée, complètement ravagée par l'alcool et les médicaments, horrible. Elle défendrait les animaux et on l'appellerait Brigitte. Eh oui, car la beauté n'est pas éternelle, mesdames, messieurs. Mais le charme, oui. Et moi, ça m'arrange. Oui, alors, à ceux qui, dans le fond, n'applaudissent pas, je leur répondrai ce qu'on a coutume de dire aux jeunes étudiants rentrant en faculté de droit, allez vous faire mettre. Je ne suis pas beau, mais bon, hein, on ne peut pas tout avoir. Comme disait Marlon Brando dans Les Derniers Tangos à Paris, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Bon, ça, tout le monde ne s'en souvient pas forcément. Hein. Non, la scène très hard du beurre dans Les Derniers Tangos à Paris, c'est un truc qui a surtout marqué la génération avant la nôtre. Et encore un peu une autre génération. Alors que maintenant, à 5 ans, ils ont déjà des films porno sur leur portable. Alors imaginez, pour les gosses aujourd'hui, Les Derniers Tangos à Paris... C'est Bernard et Bianca. Moi, j'aime pas les films porno. J'en regarde, bien sûr, mais j'aime pas. Et je me fais cette réflexion à chaque fois que j'en regarde un. Je crois que ce qui me déplaît le plus dans ces films, c'est le manque de suspense. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans un sketch que j'ai quand même interprété quelques années, et je donnais dans ce sketch l'exemple de cette scène de film où Rocco Siffredi... Je sais pas si vous voyez qui c'est, Rocco Siffredi. Et comme me disait une copine, on ne se souvient pas toujours très bien de son visage. Donnez l'exemple de cette scène de film où Rocco Siffredi rentre dans un magasin de chaussures. Ding dong, il entre. Et là, c'est curieux, il est le seul client, mais il y a trois vendeuses qui se précipitent.
Et à ce moment-là, il fait ce que chacun fait dans la vie courante. Quand il rentre chez Bali ou chez Dozenbar, il sort sa zigounette. Les vendeuses ne sont pas du tout surprises. Et comme dans la vie de tous les jours, elles se déshabillent immédiatement. La première s'agenouille, car elle a compris quel genre de pompe il a envie d'essayer. La deuxième donne un petit coup de main à sa collègue, qui la remercie d'ailleurs au passage très chaleureusement. Quant à la troisième, plus solitaire, elle s'occupe dans le fond du magasin. Avec le chausse-pied. Bon, moi je l'ai cherché ce magasin de chaussures, je l'ai pas trouvé. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas ces films. Parce que moi, ce qui m'excite, c'est la réalité, ou en tout cas un semblant de réalité. Une situation donnée de la vie quotidienne, plausible, courante. Par exemple, la femme qui trompe son mari avec le meilleur ami de celui-ci. La salope. Ou l'inverse, l'homme qui trompe sa femme avec la meilleure amie de celle-ci. Ou le coquin. Tandis que dans ces films, ils se connaissent pas, ils sont à peine dit bonjour, que déjà ça tourne au cul, au sexe, à l'orgiaque, voire à la kermesse de la fesse, avec tire-pipe, sans saucisse et sous tointouin. Comment voulez-vous y croire? Non, la dernière fois que j'en ai regardé un, j'étais mais consterné. J'ai pris ma tête à deux mains. Enfin, disons, j'ai pris ma tête à une main. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Bon, quand je vous disais tout à l'heure, mesdames, messieurs, que ça marche assez bien pour moi avec les filles, j'ai connu, il y a quelques années, une période de disette, de désert quasi absolu. J'étais d'ailleurs tellement seul, je souffrais tant de la solitude, que j'avais fait débrancher la sonnette à ma porte d'entrée. Et ça, quand on est trop seul, c'est l'idéal. Oui, parce qu'au moins, on peut toujours se consoler en se disant qu'on a peut-être sonné, mais qu'on n'a pas entendu. Et alors, j'étais en manque. Acheter en manque, c'était terrible. J'en étais au point où j'arrivais même à trouver de l'érotisme dans Question pour un champion. Et paf ! Et ça me posait de tels problèmes dans ma vie quotidienne que j'étais même allé voir une assistante sociale. Tu parles d'une assistante sociale. Elle n'a même pas voulu coucher avec moi. Alors, toute l'année, on débloque des crédits pour le social et quand on en a besoin... Ça, c'est le genre d'injustice qui me bouffe. Je crois me souvenir qu'on était en octobre et que ma dernière relation datait de Noël l'année d'avant. Et il n'était pas venu. Et on peut dire ce qu'on veut, mais les marrons sans la dinde, ça n'a pas grand intérêt. J'avais pourtant tout préparé ce soir de Noël. Le repas était prêt, tout était dressé, sans exception, la table y comprise. J'avais mis son cadeau dans son assiette, une superbe montre en boucle d'oreille. Très pratique pour regarder l'heure. Surtout grâce au bracelet miroir que j'ai mis avec. Et il n'est pas venu. J'ai fêté Noël tout seul. J'ai réajusté les boules au sapin. Par acquis de conscience, j'ai jeté un coup d'œil dans la cheminée où j'ai retrouvé mes deux souliers complètement calcinés. Et absolument rien dedans. Quel connard, ce Père Noël! J'ai passé toute la journée du 23 à lui installer un système de poulies dans la cheminée pour lui faciliter la tâche. Et rien pourri! Alors quoi, c'était la grève des traîneaux? Mais mes voisins du dessous qui chantaient Minuit chrétien à tue-tête, de quel droit ils sont heureux, ces gens, d'abord? Quand on sait que les deux tiers de la planète crèvent de misère sous les bombes, et que Murray fait son Noël tout seul devant la télé, je m'excuse, mais on ne peut pas réveillonner la conscience tranquille. Ben, je les retiens, mes voisins. Tiens. Qu'est-ce que c'est con, les voisins? Ben, c'est vrai, il n'y a pas plus con qu'un voisin. Il y a des voisins, ils sont tellement cons qu'on dirait qu'ils étaient déjà voisins avant d'habiter à côté de chez vous. Enfin bref, j'étais là, mon revolver dans la main,
prêt à jouer à la roulette belge. Oui, la roulette belge, devenue plus tard la roulette russe. Les Russes ont simplement un peu corsé le jeu en retirant 5 des 6 balles du chargeur. C'est comme les toilettes turques. Au départ, c'est une invention belge. Les Turcs n'ont fait qu'ajouter le trou. Enfin bref, j'étais là, prêt à gagner à la roulette belge, quand tout à coup, j'ai entendu mes voisins du dessus qui s'engueulaient. Ça m'a redonné folle envie de vivre. Et le comble, c'est que c'est là que j'ai failli me tuer en me penchant trop à la fenêtre pour mieux entendre l'engueulade des voisins du dessus. Je me suis dit, là, me rite en train de faire l'âne pour avoir du son. Mais il n'empêche que ça m'a redonné le moral. J'ai foutu le feu à la crèche avec le petit Jésus dedans. Juste comme ça, pour le plaisir. J'aime pas Jésus. Et j'ai fêté mon petit Noël comme si de rien n'était. J'ai récité ma petite poésie devant le sapin. Après quoi, je me suis offert mon propre cadeau. 12 bouteilles de Bordeaux 61. Et alors, j'étais tellement content que j'ai fait comme les enfants. J'ai joué avec mon cadeau tout de suite. La dinde n'étant toujours pas là, j'ai remis mes marrons au congélateur pour le Noël de l'année suivante. Alors, on peut dire que j'ai passé des belles fêtes cette année-là. Ah oui, puisque c'est pas tout. Le 31 décembre aussi, je l'ai fêté tout seul. Mais bon, là, je regrette rien. Non, parce que ça m'a évité à minuit de voir commémorer la Saint-Faucu. Mais vous savez, la Saint-Faucu, tous ces gens qui vous souhaitent bonheur, prospérité, surtout la santé, hein? Alors que toute l'année, regardent attentivement si votre nom ne figure pas par hasard dans la rubrique nécrologique. Tous ces emmerdeurs qu'on peut pas encadrer 365 jours sur 365 et qui, à minuit, le champagne aidant, deviennent juste un peu cons, mais gentils. Eh ben non, moi, j'étais tout seul cette année-là. J'ai passé la soirée du 31 décembre et le premier jour de l'an à regarder la TSR. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. Et encore, c'est pas le pire. Parce que le comble du solitaire, le paroxysme de la solitude, c'est le 6 janvier, se taper tout seul la galette des rois et ne pas trouver la fève. Là, j'ai l'air de plaisanter, mais ça m'est arrivé cette année-là. J'ai même pas pu me mettre sur la tête la petite couronne en papier doré qu'ils avaient mise avec. Non, parce que j'ai des principes. J'ai des principes. Je suis pas roi, je suis pas roi, je suis pas roi. Et quand je suis retourné au supermarché pour me plaindre, ils m'ont dit qu'ils mettaient plus de fèves dans les galettes parce qu'il y a des gens qui s'étranglaient en les mangeant. Je dis, mais c'est arrivé souvent. Ils m'ont dit, non, une seule fois, mais c'est une fois de trop. Je dis, mais si vous voulez vraiment une fève pour en acheter une séparément au rayon fèves, ils la mettent vous-même dans la galette. Ah bah tiens, déjà que je me tape ma galette tout seul, va falloir en plus que je cache moi-même ma fève en faisant semblant pas savoir où elle est. Le suspense! Non mais enfin, c'est incroyable, cette obsession du risque zéro. Il y a un type qui, dans cette première partie de siècle, s'est étranglé en bouffant la fève. Et si ça se trouve, ce con, il était tout seul et il l'avait caché lui-même. Et on retire les fèves des galettes. Non mais à ce tarif-là, il n'y a qu'à enlever les noyaux dans les cerises pour éviter les pépins. Non, on marche sur la tête, là. On marche sur la tête. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Enfin... me plains de ma solitude, mais comme me l'a dit un des cons dont je parlais tout à l'heure, vous n'êtes jamais seul, monsieur Murray. Personne n'est jamais seul. Car il y a Dieu là-haut. Où ça? Dans le ciel? Non, plus loin. Voyez les étoiles? Oui. Eh bien, plus loin. Voyez les étoiles qu'on ne voit pas? Oui. Eh bien, il est là. Ouais. Ouais, ben, je suis peut-être pas tout seul, mais il est pas tout proche non plus. Le jour où j'ai besoin de lui, j'ai intérêt à lui envoyer un mot à l'avance, parce que... il y a le voyage. Bon, là, j'ironise et c'est facile. Cela dit, si Dieu existe, j'en sais rien, je fréquente pas la haute société. Mais si Dieu existe, je me dis qu'avec le nombre de fois où il a été cité, proclamé, revendiqué, loué, et même vendu, parfois... et ce, depuis 4000 ans, il doit regretter de ne pas toucher les droits d'auteur.
Des droits d'auteur avec un H, en l'occurrence. Non, mais vous vous rendez compte? Si à chaque fois qu'on prononce son nom, Vlan tiroir caisse, mon Dieu, gling gling, nom de Dieu, gling gling, Dieu a dit gling gling. Ah, si on fait le bilan, ça en fait du pognon perdu en 4 millénaires. Hein. S'il pense à ça, ça doit un peu le titiller, Dieu. Parce qu'il est quand même un peu juif, à la base. Hein. Non, je plaisante. Alors voilà bien les effets du politiquement correct. Vous voyez où ça mène? Jusqu'à faire dire à un comique, comique dont c'est le métier, métier qui consiste à faire rire les gens, eh bien, le politiquement correct mène ce comique à préciser après un gag facile sur la soi-disant cupidité des Juifs, non, je plaisante. Mais évidemment qu'il n'y a rien de raciste là-dedans. Depuis la nuit des temps et aux quatre coins de la planète, il y a des histoires qui circulent sur la paresse ou l'énorme sexe des Noirs, sur l'hypocrisie des Jaunes, la fourberie des Arabes, des histoires qui nous disent que tous les Appenzellois sont petits, que tous les Allemands sont les envahisseurs, que tous les Belges sont idiots, que tous les Français sont chauvins. Bon, ça, c'est un peu vrai. Ou encore que tous les Gitans sont des voleurs. Alors, je sais bien que tout ça relève de la bêtise humaine, mais c'est la réalité. Et un comique ne peut pas changer le monde avant d'en rire. Alors, on va pas me chier une pendule, parce que j'évoque au passage la légendaire qui vient de légende, je le rappelle, la légendaire avarice des Juifs. Et je ne peux quand même pas, juste pour être politiquement correct, parler des éventuels droits d'auteur de Dieu en disant que ça doit un peu le titiller parce qu'il est quand même un peu écossais à la base, non? Ou alors moi je veux bien. Mais si au lieu de parler du juif Jésus de Nazareth, je me mets à parler de l'écossais Jésus de Nazareth, ça change toute l'histoire. Un peu comme si Marie avait avorté. L'Écossais Jésus de Nazareth. Mac Jésus. Ah, il aurait eu l'air malin en kilt sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils auraient été bien emmerdés, les Romains, tiens. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette cornemuse? Mais vous voyez, le fait de blasphémer comme je le fais à présent, ça non plus, ça n'est pas très politiquement correct. Mais bon, faut voir aussi toutes les conneries qu'on nous raconte depuis 4000 ans. Et si je dis 4000 ans, c'est volontaire, parce que du coup, je mets tout le monde dans le même panier. Enfin, vous y croyez, vous, au miracle de l'inventeur du ski nautique sur le lac de Tibériade? D'ailleurs, il y a eu une polémique à ce sujet qui disait que si Jésus avait pu marcher, c'est parce que le lac de Tibériade était gelé. Oui, gelé, même complètement gelé. Comme Moïse quand il croyait écarter les eaux. Nous aussi, à l'apéro, on écarte les eaux. Mais après, on rentre à la maison avec une caisse, pas avec 10 commandements. Ben, vous y croyez, vous, à toutes ces conneries? La Sainte Vierge qui tombe enceinte grâce à un ange? Vous voyez la scène? L'ange Gabriel, la chanson foutre en plein vol. On vous ferait avaler n'importe quoi. Et le pauvre Joseph, non, merde, fais chier, merde. Allez, dégage, mon fils, dégage, dégage. Je ne respecte décidément rien, vous devez penser. Et c'est vrai qu'à force de taper sur tout le monde et de dire que je n'aime personne, certains peuvent croire que ce spectacle n'est qu'une vaste entreprise de destruction de mes semblables. Et pourtant, j'aimerais à présent rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon existence. Une fois n'est pas coutume. Un homme dont le souvenir m'a aidé dans les moments tragiques de ma vie et dont la philosophie m'a guidé depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. En effet, né à Paris, le 12 avril 1869, Henri Désiré Landru est mort guillotiné le 25 février.
Je sais. Les féministes bornées, enfin les féministes, ils verront une nouvelle provocation de ma part. Je me demande bien pourquoi. Parce que Landru était un adepte de la femme au foyer, c'est ça? Ou est-ce parce que ces dames le considèrent comme un monstre? Un monstre, comme c'est vite dit. Alors bien sûr, il a tué et brûlé 10 femmes. 10 femmes. Et alors? L'amour des chiffres ronds, c'est tout. Et puis ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a quand même fallu qu'il les séduise, ces 10 pétasses. Elles se sont pas retrouvées à servir de combustible par hasard. Il a fallu qu'auparavant, Henri Désiré leur déclara sa flamme. Et si elles l'ont suivi, c'était pas juste dans la perspective d'une petite soirée barbecue. C'était pour niquer. Alors quand on me dit 10 femmes, d'accord, mais 10 coquines, oui. Parce que avant d'aller vérifier de visu si le Père Noël était dans la cheminée, fumier, hein. Avant d'aller vérifier de visu si le Père Noël était dans la cheminée, elles avaient déjà le feu au cul. Au point même de déshériter leur propre famille pour léguer tout à leur torride amant. Autrement dit, prête à tout pour quelques parties de Jean Borleur. Ah, il devait pas être maladroit au pieu, le Père Landru. Une bête de sexe, mais... Et qui plus est doté d'un sens pratique hors du commun. Quand je pense au nombre de copains qui savent pas quoi faire de leur blonde après consommation. Il y a des fois, je me demande si je suis pas un peu misogyne. Mais non, je plaisante au sujet des femmes comme je peux plaisanter au sujet des pauvres, des vieux ou des malades. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les femmes ont leur journée internationale. C'est fait pour faire prendre conscience aux gens du sort peu enviable de cette partie de la population. Et il existe une journée mondiale contre le tabac, on en a déjà parlé, une journée mondiale contre le cancer, la journée mondiale contre le sida, la journée mondiale des handicapés. Tenez, il y a même la journée mondiale contre le bégaiement. Ça ne s'invente pas, la journée mondiale contre le bégaiement. Bon, s'ils ont prévu des discours, ils auraient mieux fait de prévoir 2 jours. Mais... Et puis, il y a la journée mondiale de la femme. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi rire des femmes. Sans aller trop loin, bien sûr. Car il y a une chose que je respecte par-dessus tout chez les femmes, chez la femme, c'est la maternité. Et oui, parce que, à l'intérieur de ce joli ventre rond, qui sait? C'est peut-être un garçon. D'ailleurs, moi, si j'ai un jour, j'ai un enfant, pas directement, donc... Mais si un jour j'ai un enfant, j'ai décidé de l'appeler Marcel si c'est un garçon et Gilbert si c'est une fille. Ben, on sait jamais, hein, je peux devenir père un jour. C'est jamais ce qui peut arriver. Hein. Il y a des accidents. Il y a des nanas qui font pas attention. Tiens, d'ailleurs, voilà encore un ravage du politiquement correct. On n'arrête pas de nous bassiner avec le nombre de viols perpétrés chaque jour dans les grands hôtels new-yorkais ou ailleurs. Mais tout le monde trouve normal que de plus en plus de femmes ne prennent pas la pilule. C'est comme les pédophiles. Voilà encore un ravage du politiquement correct. J'aime pas qu'on s'en prenne toujours aux pédophiles. Bon, bien sûr, de temps en temps, il y a des dérapages. Mais faut pas généraliser non plus. Parce que je comprends qu'on s'en prenne aux chasseurs d'éléphants, de baleines ou de koalas. C'est des races en voie de disparition. Mais les mômes, ça pullule! En plus, ça pleure, ça hurle, ça vomit dans la voiture quand on les enlève. Alors là, mesdames, messieurs, je vous demande d'être attentifs, car vous venez d'assister en direct à ce que les scientifiques pourraient appeler l'invention du refroidissement climatique. Ça, pour casser l'ambiance, il suffit de parler de pédophiles, le résultat est garanti. Même les pédophiles, ça les fait pas rire. Il y en avait un hier soir, j'ai dit... Vous dites pédophile et tout de suite les gens disent « Oh non, 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 non !» Il va pas nous reparler de religion. Donc, il vaut mieux éviter le sujet. À plus forte raison que je donne ainsi du grain à moudre aux féministes. L'une d'entre elles me l'a rappelé l'autre soir. Elle m'a dit « Mais quand vous parlez de pédophile, ce ne sont que des hommes ?»
Les femmes pédophiles, ça n'existe pas. Et pourtant, si, ça existe. Ça existe. Simplement, pour les femmes, on ne dit pas pédophile. Non. Non, pour les femmes, on dit maman. Non, pardon, excusez-moi, mais je m'entraîne à imiter le signal sonore pour les aveugles au passage piéton. Il y a des fois, ça marche. Et alors, faut voir l'ambiance que ça met au carrefour. Et hop, il passe. Les voitures qui freinent, le carambolage monstre, la canne blanche 150 mètres plus loin, les ambulances, les flics, un boxon. Point que des fois, je suis obligé d'aller traverser au carrefour suivant. Ils sont cons, ces aveugles. Bon, quand ils ont un chien, ça marche pas. Non, ils ont l'oreille fine, ces kleps. Comment c'est affreux. Comment c'est affreux. Mais non, là, je rigole. Je rigole. Dans la vraie vie, je suis plutôt quelqu'un de gentil. Tenez, pour preuve, j'ai même une amie aveugle. Une de mes admiratrices inconditionnelles. Cela expliquant ceci. Une charmante fille à qui je peux tout demander. Son sens du toucher étant particulièrement développé en raison de sa cécité. Un sens du toucher d'ailleurs tellement développé que les jours de grand soleil, elle enfile des gants noirs pour se protéger les yeux. Une fille extraordinaire, mais alors d'une naïveté. Mais elle est naïve, elle est naïve. Elle croit au grand amour alors que moi je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, il faut l'entendre à chaque fois qu'elle a fini de sucer mon pouce. Oui, parce qu'elle, elle est persuadée que ça fait des années qu'elle suce mon pouce. Je veux pas la contrarier. Je suis un grand enfant. Eh bien, il faut l'entendre chaque fois après ça me parler de mariage, de fonder un foyer. Je suis obligé de la raisonner et de lui dire que le grand amour n'existe pas. Tenez, ma femme, elle aussi, quand elle m'a connue, elle croyait à l'amour avec un grand A. Et depuis, elle doit se contenter de l'amour avec un gros A. Je ne suis pas sûr qu'il faille bien prendre ces applaudissements. Paul Valéry disait « L'amour consiste à être bête ensemble. » J'aime pas ceux qui aiment. Il y a des cons quand ils aiment. Si vous avez le malheur de les croiser le lendemain d'une soirée avec leur partenaire, ils vous racontent la nuit. Avec les dialogues. « Oh, je pars, viens, envoie-moi au 7e ciel, prends-moi, j'arrive. » C'est plus de l'amour, c'est les transports en commun. Et être bête ensemble, c'est peu dire. Moi, ceux qui s'aiment, ils me font toujours penser à des débiles. Des handicapés moteurs. Ils sont dans leur monde et ne se rendent pas compte une seconde de leur état. Tu m'aimes ? Moi aussi. Et en général, ça finit dans une église ou dans une mairie où ils se retrouvent en atelier protégé. Avec l'éducateur qui essaie de leur faire dire oui, oui. Et quand ils y arrivent, il y a les familles handicapées derrière. Bravo ! Bravo ! Et le pire, c'est qu'après, ils se reproduisent. On pourrait les stériliser, mais non, ça fabrique des mômes à l'appel. Et une fois qu'ils ont compris qu'à l'appel, c'est pas encore possible, ils sortent le reste des outils, on a droit à un rejeton. Un gamin qu'ils vont bien sûr prénommer... Hein, d'un prénom de célèbre vedette de cinéma, Kevin, Angela, Leonardo, Titanic. Si, si, c'est courant, la petite Annick. Au fond. Bon. Eh oh, j'ai le droit, hein, vous payez 35 balles. Non, cela dit, ceux-ci sont pas dangereux.
Non, ils sont pas dangereux. Non. Non, le pire, c'est ceux qui aiment tout le monde, les naïfs, les idéalistes. En voilà des dangereux malades. Moi, j'appelle ça la catégorie amour et besoin urgent. Plus connu en anglais sous le nom de Love and Peace. Pourquoi vous foutez de ma gueule? J'ai pris des cours d'anglais à la Migros, figurez-vous. Bon, au rayon légumes, mais quand même. Ces gens qui aiment tout le monde, ou qui, parce que ça fait bien pour se donner bonne conscience, se persuadent d'aimer tout le monde, au point même de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux. Ceux qui donneraient leur chemise à de pauvres gens heureux, comme chantait Brel. Et j'y suis pour rien, mais la plupart de ceux-ci sont de gauche. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent quand ils vous invitent à une soirée dans leur villa chauffée à l'énergie solaire. En général, monsieur est assistant de recherche à l'Institut de hautes études pédagogiques de Lausanne. Enfin, il s'occupe, quoi. Et madame, institutrice à mi-temps. Enfin, institutrice. Tu as signé la pétition pour l'indépendance du Tibet. On l'envoie demain aux autorités chinoises. Ah ben tiens, ils doivent trembler, les Chinois, eux. Ils le savent pas encore. Ils se doutent même pas. Mais demain, pour le Tibet, ce sera Tintin. Alors bon, c'est peut-être un réflexe d'ouvrier analphabète, mais la gauche caviar, je trouve ça louche. J'aime pas la gauche, surtout quand elle est de droite. Aux yeux de certains de ces tarés, on est un réactionnaire si on porte pas des Birkenstock avec des chaussettes en laine. Et on est un fasciste si on ose demander aux cyclistes de pas écraser les piétons sur les trottoirs. Non, je vous dis, il y a des fois, je me dis, vive le réchauffement climatique. La fin prochaine de tout ça. Vivement que cette planète implose, ça nous débarrassera de tous ces cons. Avec nous, vous me direz. Mais je m'en fous, je suis prêt à me sacrifier. Alors on me dit, oui, mais il faut penser à l'avenir de cette planète pour nos enfants. Nos enfants. Alors bon, d'abord, j'en ai pas. Et puis même si j'en avais, je n'aurais pas quoi en faire. Des visites de caves en Asie du Sud-Est, peut-être. Et puis, excusez-moi de poser la question, mais quels enfants? Ceux d'ici? Des trisomiques à casquette de baseball retournée? Qui croient que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par Super Mario? Ou les enfants du tiers-monde? Le tiers-monde devenu une vaste poubelle écologique prête à exploser. Là-bas, ils aimeraient bien penser à l'avenir de leurs enfants, mais le problème, c'est que leurs enfants n'ont pas d'avenir. Eux, le bonheur, ils le veulent dans l'heure. Ils veulent pas un plan d'épargne. Et moi, c'est pareil. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce monde soit heureux au 23e siècle? Même si j'arrête de fumer, j'ai très peu de chances d'y arriver, m'a dit mon tout-bu. Commence à me courir, cette équipe, avec la planète, la nature, l'environnement. Pour moi, et pour être heureux, l'environnement idéal, c'est ça. Une femme muette, un voisin sourd, ou inversement. Une belle-mère décédée, c'est déjà fait. Un facteur homosexuel, juste pour emmerder ma femme. Et un inspecteur des impôts atteint par la maladie d'Alzheimer. Alors oui. On peut pas me reprocher de pas songer à mon environnement. Comme dit le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, je ne fais que ça, même si j'ai pas la charité. Bon, faut que je fasse gaffe avec ces proverbes à la con. Ces expressions à la noix, complètement bateau. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tous ces trucs qu'on place dans une conversation quand on n'a justement pas de conversation. Et en général, vous avez remarqué, ça parle de la météo. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et ça rime en plus, du Baudelaire. Noël au balcon, Pâques au tison. Ce qui est une connerie, parce que prenez le pape, par exemple. Même s'il fête Noël au balcon à Pâques, il n'est pas au tison, il est au balcon.
Allez, y en a une autre. Pluie du matin réjouit le pèlerin. Pluie du matin réjouit le pèlerin. Oui, il suffit pour s'en convaincre de voir la bonne humeur qui règne dans les transports publics à 7h le matin, quand les pèlerins vont au boulot et qui flottent. Pluie du matin réjouit le pèlerin. S'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra 40 jours. En Bretagne, il y a une Saint-Médard par mois. Et il pleut. D'ailleurs, je connais un autre proverbe breton qui dit « Quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il va faire mauvais temps. » Si le goéland se gratte le cul, c'est qu'il fera pas beau non plus. Enfin bref, tout ça devient des tics de langage quotidien. Qu'est-ce que ça peut être stupide, un être humain, quand même. Au bistrot, quand un verre se casse, chauffez la colle. Ou alors, ça porte bonheur. Et si ça se trouve, la serveuse la servirait, ça porte bonheur. Et on tombe tous dans le piège de cette crétinerie ordinaire. Tenez-moi, l'autre jour, dans mon quartier, je croise un type, mais alors que j'aime pas du tout, du tout. D'habitude, vous commencez de vous en rendre compte, j'aime pas. Mais lui, c'est pire. Lui, je peux pas dire que je l'aime pas, je l'aime pas, pas. Je dirais même que je l'aime pas, 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 pas. Genre de type qui me fout des boutons, juste à le voir. C'est plus de l'animosité que j'ai pour lui, c'est de la haine. Comment vous le décrire? Il fait du vélo, c'est pas compliqué. Quand on a dit ça, on a tout dit. Et moi, l'autre jour, je croise ce type qui fait du vélo, et réflexe stupide, je lui dis bonjour. Je dis bonjour à ce type qui fait du vélo. Un tic. Mais en fait, c'était ironique, quelque part. Non, je ne souhaitais pas une seconde un bonjour à cet abruti. Comme quand on se débarrasse de quelqu'un, on dit bon vent. En fait, on espère bien que l'abruti à qui on a dit ça va se ramasser un cyclone dans la tronche. Et qu'il va s'envoler avec son vélo. Tenez, autre exemple. Moi qui suis athée, il m'arrive de m'écrier « Oh mon Dieu ». C'est fou, non? On dit « Oh mon Dieu » alors qu'on n'est pas croyant. Comme on dit « Ma parole » alors qu'on a un menteur révétéré. Ou comme on dit « Oh la vache » alors qu'on n'est pas marié. Non, attendez, les féministes, c'est un gag, là, c'est un gag. Et puis, il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que nous. Vous aussi, vous utilisez des noms d'animaux pour parler de nous de temps en temps. Comme ma femme. Alors, je ne vous parle pas des débuts, bien sûr, où elle m'appelait mon petit chaton ou mon petit lapin en sucre. Non. Ça, c'était la belle époque où ma poule avait encore quelque chose d'une colombe. Parce que maintenant, quand elle me parle, c'est pour me traiter de chien, de gros porc ou de rat d'égout. Il y a même une fois où elle m'a traité d'ours mal léché. Elle ne s'est pas tout de suite rendue compte de ce qu'elle venait de dire. Je lui ai fait remarquer qu'elle y était un peu pour quelque chose. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu récemment dans un journal du coin une pub pour des poubelles anti-ours, justement. Ça ne s'invente pas, des poubelles anti-ours. Autrement dit, des poubelles conçues pour empêcher les ours de s'attaquer à vos déchets. Indispensable dans nos régions. Ah, ils ont raison de mettre une pub dans le matin. Il va sans dire que je me suis immédiatement procuré l'objet en question. Et alors depuis, quel soulagement. À pouvoir quitter son appartement le matin en toute quiétude. Complètement débarrassé de ce souci ménager. Quel bonheur. Car combien de fois, en effet, avant cette merveilleuse invention, j'ai quitté mon appartement situé au 6e étage d'un charmant immeuble en plein centre-ville, avec cette crainte. Et si un ours s'attaquait à ma poubelle? Mais bon, là, je suis tranquille, les ours peuvent venir, je les attends. Ma poubelle résiste, inviolable. Tellement inviolable, d'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à l'ouvrir. Ça fait un mois que je sais plus quoi faire de mes déchets. Vous vous foutez pas de ma gueule au premier rang de mes déchets, hein. À croire, franchement, que j'ai acheté une poubelle anti-ours et que l'ours, c'est moi. Non, parce que, pour une fois...
je dois donner partiellement raison à ma femme. Si j'étais un animal dans une autre vie, j'étais sans doute plus proche de l'ours que du lévrier afghan. Même si, bon, personnellement, je ne crois pas à la réincarnation. Non, je ne crois pas à la réincarnation. Non, certains prétendent que nous avons plusieurs vies. C'est ceux qui ont déjà une vie de merde qui doivent être contents. Savoir qu'ils vont vivre plusieurs fois. Parce qu'il n'est pas assuré que les vies postérieures soient plus folichonnes que celles qu'on est en train de vivre. Vivre une deuxième fois, c'est peut-être même l'assurance, au contraire, de l'avoir une deuxième fois dans le baba. D'où sans doute le nom de vie postérieure. Moi qui m'emmerde sur une scène, par exemple, je me dis des fois que ça pourrait être pire. Je pourrais être réincarné en spectateur. Et qui sait, l'un d'entre vous pourrait être réincarné en Thierry Meury. Pauvre vieux. Même si, en l'occurrence, je ne sais pas lequel des deux serait le plus malheureux. Lui de transpirer sur scène en racontant des conneries, ou moi à les écouter. Oui, parce qu'en toute confidence, je déteste aller au théâtre. Et à tout autre spectacle, d'ailleurs. Pour vous dire, je pourrais aller me voir, j'irai pas. Et non seulement je déteste aller au théâtre, mais j'ai horreur du monde du spectacle, le showbiz, comme on dit vulgairement. D'ailleurs, comme le disait si justement ce remarquable auteur contemporain, homme de télé, de radio, chroniqueur, comédien, humoriste, enfin bref, comme je le disais, on dit que le monde du spectacle est une grande famille, et c'est bien vrai, car il n'est constitué que de gens qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas choisis. Les artistes, ils m'agacent, ils sont tous tellement vaniteux. Il faut les rassurer toutes les 10 minutes sur leur talent, surtout quand ils n'en ont pas. Et d'ailleurs, en règle générale, j'ai horreur de tous ces prétentieux, de tous ces mégalos, ces y en a point comme moi, qui se prennent pour le centre du monde. Je les aime pas parce que le centre du monde, il est là. Donc j'aime pas les imposteurs. Mais alors attention, je ne suis pas narcissique. Non, 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 non. Non, étymologiquement, ce serait faux. Oui, car narcissique vient de Narcisse, un jeune homme d'une grande beauté, tombé amoureux de son propre reflet. Il se trouve que ma clairvoyance, ma lucidité froide, mon intelligence, nombre de qualités qui me placent bien au-dessus de la mêlée, m'empêchent d'être narcissique. Non, moi je suis nombriliste. Même si avec le temps, le nombril est la partie de moi-même qui s'éloigne le plus. Je suis nombriliste, mais à raison. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe dans notre pays depuis quelques années une véritable meurimania. Alors que je ne les aime pas, les gens eux-mêmes. Il en va ainsi de tous les grands prophètes. Cette force d'attraction qu'on a en soi et qui tire même les plus humbles vers les sommets. Un journaliste me le disait d'ailleurs encore récemment, aux yeux de vos nombreuses activités, vous êtes sans doute le roman de l'année. Évidemment, étant d'un naturel poli et modeste, je n'ai pas osé relever l'euphémisme. Sans doute fallait-il voir de la pudeur dans l'affirmation pour le moins réductrice de ce scribouillard de merde. Car il faut savoir ce que roman de l'année sous-entend. La Suisse romande comptant à peu près 1,5 million d'habitants, comme j'habite la ville de Genève, où l'on dénombre 150 000 âmes, soit 10% de la population romande, je suis par voie de conséquence le jeune voix de la décennie. De même, et suivant le même calcul, ça va. De même, et suivant le même calcul, le natif de Delémont que je suis, ville d'à peu près 15 000 habitants, est aussi le Delémontin du siècle. Dès lors, pensez à ce que ça peut représenter dans mon quartier. Là, chez moi, hein? Dans mon quartier, je suis carrément la personnalité du millénaire. Les copains d'apéro peuvent bien me payer un ballon, non? Et alors, et suivant toujours la même logique mathématique, imaginez ce que ça donne dans mon appartement. Là, fuyant les miroirs pour éviter toute concurrence. Je suis à n'en pas douter l'homme le plus important de l'histoire de l'humanité. Au vestiaire, Jésus, Mahomet et Christophe Colomb. Et ma femme, t'as descendu la poubelle?
Mais non, tu es toujours là, ma chérie. pauvre fille, complètement inconsciente. Est-ce qu'on demande à Jésus de descendre la poubelle? Une poubelle anti-ours, de surcroît. Bon, quand je parle de Jésus, la comparaison est, il est vrai, un peu audacieuse. Pour lui, en tout cas. Je suis même surpris qu'on parle encore de lui en l'an 45 après moi. Maintenant, est-ce qu'après mon trépas, une fois mon règne terminé, des générations d'êtres humains honoreront ma mémoire, comme ce fut le cas pour lui? J'en doute. Nous vivons l'ère de l'ingratitude. Et il y a fort à parier qu'à l'instar d'autres génies, on ne m'offre en guise de tombeau qu'une vaste tranchée, à la fois aussi insalubre et malfamée qu'une salle de spectacle et qu'on appelle fosse commune. J'en suis d'ailleurs à ce point convaincu que j'ai déjà fait installer ma propre sépulture au cimetière, juste à côté de la tombe de Marcel. Et j'ai fait inscrire sur la pierre Thierry Meury, 1966, point d'interrogation. Alors de temps en temps, quand j'ai un coup de blues, je vais me recueillir sur ma tombe. Pourquoi est-ce que tu vas nous quitter si tôt? Pardon. Ben, je suis bien obligé de m'apitoyer un peu sur mon sort, parce que je vous connais. Vous ne viendrez même pas à mon enterrement. Vous n'êtes qu'un ramassis d'ingrats. Moi, si l'un d'entre vous meurt prochainement, j'irai à son enterrement. Ben, je suis sûr que même lui ne me rendra pas l'appareil. Pauvre de moi, pauvre de moi. J'imagine déjà les titres de la presse le jour de ma mort, avec l'imagination qui caractérise les journalistes. Adieu Thierry, on a bien ri. Franchement. On pourrait trouver mieux comme épitaphe. En plus, avec ce que je bois, c'est facile. Je sais pas, moi, sa dernière bière. Ou mieux, sa dernière caisse. Ou alors, déjà de son vivant, il était rongé par les vers. Mais ils sont nuls, ces journalistes, ils sont nuls. J'aime pas les journalistes. Ce qui ne les empêchera pas de me rendre hommage, hein, ces hypocrites. Ils ont l'habitude de cirer les pompes, surtout quand elles sont funèbres. Non, finalement, je crois qu'il vaut mieux que vous veniez pas à mon enterrement. Non, il y aura déjà assez de faux amis comme ça. Tous ces faux derches qui viendront sur ma tombe déposer leurs gerbes. Et pour cause, parce qu'ils auront passé la nuit à arroser la nouvelle de mon décès. Ils seront tous là, regardant mon cercueil descendre gentiment, mais sûrement, dans cette ultime poubelle anti-ours parfaitement inviolable. Il y aura ma femme, qui contemplera avec satisfaction le trou où je rêvais de la mettre. Tous ceux que j'aime pas seront là. C'est dire s'il y aura du monde. Et puis il y aura moi, bien sûr. Ça, c'est le genre de rendez-vous qu'on ne manque pas. Moi qui serai déjà là-haut, vers le grand patron, et qui, m'adressant à Dieu plutôt qu'à ses saints, si c'est la Sainte Vierge, je ferai l'inverse. Et qui, m'adressant à Dieu plutôt qu'à ses saints, lui dirait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, face à moi, retirant son auréole et sa grande barbe blanche de circonstance, Marcel rira aux éclats. Un rappel en plus. Enfin, j'ai passé la soirée à vous dire, à vous répéter que je vous aime pas, et une autre. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples dans la salle qui ont l'air de s'aimer beaucoup. Bon, j'entends déjà les collègues me reprocher, mais enfin, voyons, hein, ça se refuse pas un rappel. Les artistes, c'est bien connu, on se nourrit d'applaudissements. Tiens, voilà encore une connerie de première. Les artistes se nourrissent d'applaudissements. Allez prendre au mot, j'ai dû en faire des triomphes, moi.
Et des bides aussi. Mais non, les artistes ne se nourrissent pas d'applaudissements. Hein, j'ai besoin d'argent pour manger, moi, comme tout le monde. Pour m'en sortir, je dois vous faire payer une entrée. Je ne peux pas payer mes impôts avec des applaudissements. Vous me voyez avec l'huissier en train de saisir mes meubles. Alors là, bravo, hein, bravo. Non, au niveau fiscal, les applaudissements n'ont aucune valeur. Et même si vous me faites un rappel, ça ne m'empêchera pas d'en recevoir. En conséquence, mesdames, messieurs, je veux bien que vous m'applaudissiez. Je veux bien. Je veux bien. Et voilà. Mais la prochaine fois, en liquide, si possible. Oui, je sais, je sais. Certains ne doivent pas trouver cette passion pour l'argent très reluisante. C'est vrai. Mais que voulez-vous, c'est ainsi. Quand on n'aime pas, on compte.